Rêver, ça a été une grande interrogation. Ce n'était pas facile dans l'univers de l'Internet de faire rêver les gens, de les introduire dans l'univers de la maison Marcolini, de faire parler de chocolat, de sentir le chocolat, de comprendre le chocolat, de faire envie et d'avoir ce péché de gourmandise quand on regarde un chocolat. Alors ça a été la grande difficulté technique. On a essayé d'essayer d'amener l'internaute ou la personne qui regarde le site, eh bien c'était de lui faire comprendre que quand il commence à voir une praline, on essaye de la décrire la mieux possible, on essaye de faire comprendre toutes les saveurs que l'on peut avoir. Je prends un exemple au hasard, si je prends un câlin, eh bien quand on regarde la praline câlin, on se rend compte qu'effectivement on va avoir un élément de feuillantine. La feuillantine, c'est quoi? C'est de la dentelle de Quimper mélangée avec une pâte pralinée. Et dans cette description-là, il faut que la personne comprenne qu'on veut l'amener dans notre univers et que c'est le péché de gourmandise qui est au rendez-vous. Quand on regarde un site internet, il y a élément froid qui est cet écran. Et par le jeu de photos, par le mot, mais le mot le plus juste possible pour décrire cette praline, eh bien, on a essayé de vous faire rêver. Ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est de vous prendre la main et de vous conduire un petit peu dans nos univers, à la fois celui du chocolat, à la fois celui de la biscuiterie avec des macarons, à la fois celui de la pâtisserie. Vous ouvrez les portes de notre atelier, c'est aussi vous ouvrir un petit peu la manière dont on travaille, la philosophie dans laquelle on est, de comprendre aussi qu'on est les seuls à partir de la fève de cacao, à travers les voyages aussi, et c'est ce qu'on essaie de faire sur ce site en vous amenant jusque-là. Le fait de savoir, c'est de rentrer dans notre univers, c'est de comprendre ce que nous faisons et c'est d'avoir un lien très fort avec vous. On vous donne des informations. Alors, une fois, ce sera des informations sur l'histoire de la maison. Qui sommes-nous au fond? Depuis combien de temps existons-nous? D'où venons-nous? Je pense que c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Comment on a évolué? De quelle manière? Et de nous faire découvrir à la fois notre passion, notre engagement à travers le monde du chocolat. La troisième rubrique, le troisième petit carré, c'est le carré acheté. Il est évident que ce qu'on a voulu faire, c'est de prolonger ce moment de magie que vous avez peut-être découvert dans nos boutiques, qu'elle soit celle du Sablon, qu'elle soit celle de Tokyo. C'est à un moment donné de vous faire partager ou de continuer ce rêve. Ça n'a pas été simple. Je pense que quand on fait une e-boutique, quand on se dit « Ok, on veut envoyer des chocolats, que ce soit dans le sud de la France, ou bien que ce soit dans le nord de la Belgique, ou bien en Angleterre ou ailleurs », première difficulté, ça a été de maîtriser le froid. Parce que 365 jours, ce n'est pas des températures qui sont tout le temps les mêmes. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être au même rendez-vous. La même émotion que vous avez découvert au moment où vous avez acheté ces chocolats dans une boutique, eh bien, vous devez avoir la même chose dans l'e-boutique. C'est quand vous recevez ces chocolats, ça doit vous étonner. Il y a la troisième chose, c'était de se dire, au fond, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de composer? Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on préfère. On a envie aussi que la présentation soit différente, on a envie de personnaliser cette présentation. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parlait dans la maison Marcolini de faire un site où on pourrait acheter des chocolats. On a mis du temps, mais on a mis énormément de temps pour pouvoir arriver à délivrer cette envie de créativité. Vous pouvez commencer à composer votre boîte de la manière dont vous voulez, vous pouvez personnaliser, vous rajoutez un mot. Et surtout, on a essayé de trouver des partenaires qui permettaient, à un moment donné, de livrer dans des bonnes conditions. L'e-boutique, c'est pour la première fois un lien direct entre l'atelier et vous.